fin du Mandela Washington Fellowship Summit édition 2023. Trois jours durant, les plus de 700 jeunes leaders africains se sont retrouvés dans la capitale fédérale américaine, ici aux États-Unis donc, pour partager leur expérience après 6 semaines passées dans les universités et instituts américains dans un esprit, disons, de partage d'expérience, mais aussi de partage de connaissances mutuelles entre jeunes africains. Eh bien, la cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken himself. Eh bien, il a invité les panélistes à ne pas oublier ce qui s'est passé ici, à continuer de partager, bien sûr, des valeurs démocratiques, mais aussi à maintenir le contact entre eux, espérant qu'ils vont réussir à transformer leur continent, qui est l'Afrique. Eh bien, cette année, tenez-vous bien, le prix du Mandela Washington Fellowship Leadership Impact est revenu à l'Ougandaise Jamila Mayanga. Elle est Yali 2015. Elle œuvre avec son association Smart Girl Uganda pour pousser, disons, les filles à embrasser les métiers dits masculins dans son pays, l'Ouganda. Elle en est fière. Écoutons les deux, Anthony Blinken et Jamila Mayanga. Dans une entreprise sociale, j'ai commencé à donner aux filles et aux jeunes femmes les moyens de vivre un mode de vie sain et économiquement durable. Et je le fais par le biais de l'un de nos programmes appelé Gospel Tools. Nous formons des jeunes femmes vulnérables à des compétences non traditionnelles, dominées par les hommes. Il s'agit par exemple de l'ingénierie mécanique, de l'ingénierie électrique, de l'escalade, du bâtiment et de la construction. Ensuite, nous veillons à ce qu'elles soient certifiées par le gouvernement et qu'elles gèrent leur entreprise ou nous les mettons en contact avec des entreprises déjà en activité. Je sais que votre créativité, votre optimisme, votre imagination, votre énergie ne vont pas seulement faire progresser les relations entre les États-Unis et l'Afrique, mais qu'elles vont aussi faire la différence. Elles vont faire la différence dans vos pays, elles vont faire la différence dans le monde entier. Et si vous avez l'occasion dans votre vie de faire ce genre de différence, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez vivre. Je ne pourrais pas être plus fier de vous. Mais peut-être plus important encore, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire dans les années à venir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'espère simplement, comme je l'ai dit à certains de vos collègues, que si je suis encore là dans 20 ans et que je viens frapper à votre porte, vous l'ouvrirez et vous vous souviendrez de moi. Et je compte sur vous pour construire l'avenir que nous voulons tous. Félicitations à tous. Entre partage d'expériences mutuelles en provenance du continent, et panel avec des personnes ressources américaines, mais bien avant, immersion dans les universités américaines et dans les familles américaines, les Yali 2023 se disent édifiés, ils disent repartir chez eux, beaucoup plus outillés de nouvelles connaissances, mais aussi beaucoup plus motivés. Nous avons rencontré certains d'entre eux, nous vous proposons de les écouter. Pour moi, ça a été une grande leçon parce que là, je sais effectivement sur quelle action vraiment me concentrer au lieu de nous concentrer sur toutes les actions. Et surtout aussi, on a appris sur le Partnership for Global Goals, donc être partenaire avec des autres organisations pour pouvoir avoir un échange entre nos pays et pouvoir bénéficier des expériences, des leçons et aussi des technologies. Donc, pour moi, ça a été vraiment un plus. Je me suis dit que c'était très important de venir aux États-Unis, de rencontrer toute l'Afrique en une fois, de partager mon expérience, de prendre leur expérience, de partager ma philosophie et de prendre la philosophie des pays qui n'ont pas connu de guerre, des pays qui célèbrent la paix depuis des années et de les ramener là où je suis pour les implémenter dans mon travail. La plupart de ces Yali retournent donc chez eux pour appliquer ce qu'ils ont appris ici aux États-Unis. Mais pour le moment, une centaine reste choisie en raison de leur projet porteur pour passer 4 semaines de plus ici aux États-Unis, mais cette fois-ci dans des organisations ou entreprises privées afin de mûrir leurs réflexions sur leur volonté de faire développer le continent, sur leur volonté aussi de faire changer le continent, eh bien, ils seront amenés durant ces 4 semaines-là à confronter ces idées novatrices avec les réalités américaines. Yakuba Ouédraogo, Washington, VOA Afrique.